Bonjour tout le monde, c'est Crash. Et si vous êtes là, c'est que vous avez vu toutes les reliques de platine du jeu. Et vous voyez ces feux d'artifice qui pètent au fond. Ça veut dire qu'on a fini le jeu à 102%. Bravo, bravo, bravo à moi, bravo, bravo. Franchement, c'est bravo. Donc, on a les 25 cristaux, les 42 gems, les 27 reliques en platine. On a fini le jeu complètement. Donc, voilà. Comment dire, j'ai un peu beaucoup galéré. Donc, ici, j'ai galéré sur Total Ibir. Dans la salle 1... où est-ce que j'ai galéré? Oui, Snow Go, c'était chiant. Parce que la glace, ça glisse. Et la ça glisse, c'est chiant. Le reste, ça peut aller. Ici, ben, du coup, Snowbiz. Air Crash, ça allait. Beer Hit, ça allait. Crash Crash, ça allait. Hill Deal, ça allait aussi. Pas de mauvais souvenirs. Niveau 3ème salle, où est-ce qu'on a galéré? Plein tout ça va. Sower Lefter il m'a un peu fait chier. Beer Down ça va, il suffit de connaître le circuit par cœur. Unbearable il m'a un peu fait chier aussi. Niveau 4ème salle. Hanging Out il est chiant. Guinning ça va. Cold Heart Crash il est casse-couille. Ruination il m'a pété les couilles aussi. Behaving ça va. Et enfin, dernière salle. Alors, Piston Hit Away, il a été chiant. Rocket, ça va. Night Fat, ça va. Pack Attack, j'ai un peu galéré. Et Spaced Out, il m'a fait beaucoup galérer. Donc, voilà, nous y voilà. Le petit 102%. Donc, ça va être l'heure pour vous, pour les trophées. Qu'est-ce qu'il faut faire dans Crash 2 pour le platiner? Donc, on va commencer du tout début que j'ai tout débloqué. Donc, comment énerver Cortex? Bronze, oublié plusieurs fois d'affilée. Donc, tout simplement, quand vous commencez le jeu, il suffit d'aller dans le premier niveau. Dès que vous êtes rentré dans un niveau, vous quittez le niveau et vous faites ça 3 fois d'affilée. En fait, Cortex va s'énerver. Et c'est un trophée manquable qui peut se faire avant le premier cristal. Donc, après, si vous avez loupé ce trophée, c'est pas grave. Vous démarrez le jeu en 5 minutes, vous l'avez. C'est pas embêtant. Chemin de traverse, bronze, découvrir un niveau bonus, donc ça, il n'y a rien à expliquer, vous empruntez un niveau bonus. Diamant brut, argent, découvrir un chemin de gemme après avoir obtenu une gemme de couleur. Donc ça, ben, dès que vous avez une gemme, par exemple, ben, la bleue, vous empruntez un passage de gemme et vous avez le trophée. Au revoir, professeur, bronze, il faut battre les gorgeurs, pas besoin de l'expliquer. Un petit coup de patte, bronze, ne pas avoir honte de lui sauter dessus. Donc il faut sauter sur le petit ourson, donc Polar, qui est dans la deuxième salle, il faut lui sauter plusieurs fois dessus, on va gagner des vies. Et vous aurez le trophée avec. Briser la statue Coco. Or, battre 5 ennemis avec le coup de pied double de Coco. Donc tout simplement, il suffit de sauter, d'appuyer sur rond. Donc c'est l'écrasement de Crash en fait, mais avec Coco. Donc je ne crois pas vous l'avoir montré dans le jeu. Donc voilà, il faut faire ça du coup 5 fois. Pas besoin de jetboard, argent, découvrir la salle secrète de Air Crash. Donc il suffit d'aller dans Air Crash, d'aller ici, sur la plateforme. Et le trophée est à vous. Toujours en vie pour l'instant. Argent, découvrir un chemin mortel. Donc chemin mortel. Il suffit d'aller dans le niveau, de ne pas courir sans se faire tuer une seule fois. Et puis vous aurez une plateforme avec une tête de mort. Vous allez dessus. Et le trophée est à vous. Et c'est le crash. Argent, voler puis mourir. Donc tout simplement, dans les niveaux de Polar, vous aurez des genres de statues par terre. Il faudra vous laisser marcher dessus. Et dès que vous marchez dessus, en fait, vous allez mourir. Mais il faudra essayer de tomber dans l'eau. Du coup, ça fera, vous volerez et puis vous irez dans l'eau. Et c'est le crash. Komodo domination, bronze, battre les frères Komodo. Donc ça, pas besoin d'explication, c'est le deuxième boss. Voyage dans les îles, argent, découvrir la sortie secrète dans Beer Down. Donc vous allez dans Beer Down. Et puis vous allez sur la plateforme tout à la fin du niveau qui est au milieu. Et c'est à vous. Reviens petit ours, argent, découvrir la sortie secrète dans Unbearable. Donc, à la fin du niveau Unbearable, dès que l'ours vous lâche, vous revenez vers l'avant du coup du niveau, vous sautez le premier trou, et vous verrez le petit ourson, vous allez vers lui, et puis c'est à vous. Dans le joyau et la bonne humeur, or gagner 21 gemmes, donc ça, pas besoin d'explication.
Félin, fêlé, argent, battre Tiny Tigre. Donc ça, pas besoin d'explication, c'est le troisième boss. Bzz, bronze, mourir en étant crash. Donc pas besoin d'explication pour le bzz. Il suffit de faire piquer par une guêpe ou une abeille, je sais pas ce que c'est dans le jeu. 99% de transpiration, or gagner 99 vies. Donc bah, il suffit d'accumuler les vies quoi. Voilà, pas compliqué. Refaites le niveau que vous préférez faire, où vous êtes sûr de ne pas mourir pour éviter de perdre du temps. Mieux vaut s'accrocher, découvrir la sortie secrète dans Hanging Out. Donc Hanging Out, vous verrez à un moment donné, vous allez atterrir dans de l'eau. Quand vous tombez dans du trou. Vous revenez vers l'arrière. Et vous aurez un petit passage en fait. Et vous allez suivre d'aller tout droit. Vous aurez plein de pics qui vont faire le tour. Vous appuyez sur rond pour vous lever, pour éviter de vous faire piquer. Puis sinon, je le fais dans le let's play, vous pouvez regarder, et voilà. Trampoline carnivore, argent, découvrir la sortie secrète dans Dignite. Donc dans Dignite, à l'emplacement qui est à gauche, il y a une plante piranha. Il suffit de la tuer en faisant un plongeon, comment dire, un plat, un super plat. Et du coup, elle meurt et après vous êtes téléporté du coup. Fléau des machines, argent, battre Engine, c'est le quatrième boss. Vengeance à coup de laser, or, gagner 42 gemmes, donc ça, il n'y a rien à expliquer, il suffit de tout avoir. Un cortex en orbite, or, battre un cortex, donc ça c'est le cinquième boss. Vérifier la pression, bronze, gagner 5 reliques. Faire chauffer les moteurs, argent, gagner 10 reliques en or ou mieux, donc soit en or, soit en platine. Wumpa combustion enclenchée, donc or, gagner 27 reliques, soit en or, soit en platine. Et nous, on a eu en platine. Bon, quand je l'ai obtenu, j'avais l'or. Mais maintenant, on a les platines. Et incroyable, Crash Bandicoot, donc le platine. Obtenir tous les trophées de Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back. Et donc voilà pour Crash Bandicoot 2. Donc du coup, voilà cet écran de fin avec le 102% qui clignote qui prouve qu'on l'a fini à fond. Et donc voilà. Je vous laisse du coup cet écran de fin. Et puis j'espère que vous aurez apprécié ce let's play. Merci beaucoup de l'avoir regardé parce que j'en ai chié un petit peu. Et donc dans le prochain let's play, ce sera sur Spyro 2 Gateway to Gamer. Et donc, on se retrouve pour ce prochain Let's Play. Salut tout le monde! Portez-vous bien!